Après les accusations portées à son encontre, Jean Manson a contre-attaqué en diffamation. Le procès qu'elle intente à Colin Berry s'est ouvert aujourd'hui à Aurillac, et la chanteuse américaine a déclaré une nouvelle fois qu'elle n'a jamais eu de gestes incestueux envers son ancienne belle-fille. Je voudrais lui répondre que je ne lui ai jamais fait du mal, a déclaré l'artiste à BFM TV, affirmant que Colin Berry le sait très bien. Il faut arrêter ces mensonges. Je ne peux pas vivre avec ces doutes que les gens peuvent avoir sur moi. Je suis une personne très intègre, je l'ai toujours été, a-t-elle ajouté, parole contre parole depuis l'année dernière. La fille de Richard Berry accuse publiquement son père de viol et de l'avoir forcé à participer à des jeux incestueux avec la complicité de sa compagne de l'époque. Colin Berry, qui a porté plainte, affirme que Jean Manson faisait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l'inceste. Jean Manson a démenti en bloc les propos de son ancienne belle-fille, et a décidé de porter plainte en diffamation. L'interprète de Avant de nous dire adieu a également défendu son ex-conjoint, expliquant qu'elle n'avait jamais eu de soupçons. Si j'avais vu quelque chose de déplacé, je l'aurais tout de suite signalé, conclut-elle. Richard Berry, qui ne s'est jamais exprimé sur le sujet, est venu au tribunal, étant cité comme témoin.